Pourquoi est-ce que je pense aujourd'hui que Montréal en fait que c'est le temps de Montréal. Moi je pense que à l'international pour réussir, il faut un produit unique au monde. À Montréal, on l'a, ça s'appelle la créativité. Ça prend des ressources et un talent relevé. À Montréal, on l'a. On a des universités incroyables qui forment des gens dans tous les secteurs de la création. Il faut attirer les meilleures ressources chez nous. À Montréal, on l'a parce que c'est le fun de venir vivre chez nous. Ce n'est pas menaçant de venir s'établir à Montréal. Et pour le vivre depuis 15 ans, c'est facile d'attirer des gens chez nous. Obtenir une réputation mondiale. C'est là où je dis, c'est le temps. C'est le temps pour Montréal. Il nous faut avoir un positionnement qui est clair. On a des événements incroyables C2 Montréal, la conférence des maires de tous les villes, Métropolis, qui s'en vient chez nous cette année, plein de congrès internationaux incroyables. Il nous faut maintenant mettre notre réseau ensemble pour que le milieu des affaires continue à se mobiliser et à se serrer les coudes. Je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie, tous ensemble, en train de jeter des bases solides pour que le rayonnement de Montréal continue de grandir. Nous, à notre modeste mesure au Cirque du Soleil, on va vouloir continuer à se promener avec notre drapeau de Montréal partout dans le monde. Pourquoi le temps ne serait-il pas venu ensemble de s'entendre sur un positionnement? Davos est la mecque de l'économie sociale. San Francisco est la mecque de la technologie. Montréal devrait être la mecque de la créativité. Pour toutes ces raisons, si j'avais à fonder le Cirque du Soleil aujourd'hui, en 2017, c'est à Montréal que je le ferais. Merci.